si tu veux, c'est pas ce match-là qu'on va voir la défense sur les contres. La défense sur les pick and roll. Oh, le double contre de Jackson Gant. Et la contre-attaque pour Ronald March. Le spectacle rendez-vous pour le public de Vacheresse. Les Rouennais, certes, il y a pas un enjeu démentiel, mais le spectacle est au rendez-vous. Ouais, et puis le coach Palois arrête le match. La bête pour eux. Voilà. Ouais, avec Ronald March qui s'est rendu disponible pour conclure ce premier quart-temps pour l'élan béarnais assuré de sa qualification pour les playoffs. L'élan béarnais. Jefferson qui va ressortir pour Robat, totalement ouvert. Ils ont un petit souci à longue distance, les Béarnais ce soir. Et la passe, le alley-oop de Johnny Béran-Mesquel. La même perfection dans le mouvement. Mais il joue vraiment sur les points forts des joueurs. Le gars qui est droitier, il va faire avoir du simple que pour attaquer à droite, par exemple. Voilà. Et la claquette. La claquette de Jackson Gant. Quoi. Chicoco, c'est quand même un pivot référence en France. Hein. Je pense à un des pivots les plus payés de France. Hein. Allez, c'est l'histoire ancienne. Ouais. C'est pas le genre de joueur à s'économiser. Lauren Jackson de très 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 loin. 3 points. Encore plus loin que le buzzer beater de Strasbourg. Alors, c'est quoi le problème entre Ronald March et... Il doit déjà peut-être être publié. Et Lucas Sieck a suivi. La psychologie des jeunes basketteurs. Eh ben, derrière, la balle est perdue. Tu vois, là, c'est là où toi, où c'est là qu'il faut qu'il bosse, le gamin. Il aurait dû prendre la balle. Ouh là 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 là. Ronald March a décollé. Ouais, Pau qui est tout près des 100 points. On va le voir la vidéo là, tu vois. Oh là là là.